Bonjour à toi YouTube, bonjour à tous. Comment ça va? Nation Edition, la nouvelle semaine bien sûr des championnats. Cinquième semaine des championnats du monde. Avec des nouveaux défis du Balloon Fight, du Kirby, ça va être sympa. Oui, un niveau Maître Rock, Link 2. Va y avoir du travail, je sens aujourd'hui. Kirby pareil, je ne connais pas la mission. On va avoir une belle VOD, mais avant ça, vous savez, avant chaque début, on regarde ce qui s'est passé tout simplement la semaine passée. Et j'ai une belle surprise pour vous. Bien sûr. Une belle surprise puisque chute libre, 5 secondes. Souvenez-vous, difficile de faire mieux sur ce niveau. Mais pensez-vous que quelqu'un a réussi à faire mieux sur ce niveau en chute libre, mesdames et messieurs? Le chute de Mario Bros 2, 5 secondes 91. Et nous sommes tout simplement premier record du monde! Bien entendu, le perfect sur ce niveau, tout le monde l'a atteint, j'ai l'impression, ce record du monde. Ce qui donne qu'on est top 0,1% forcément, j'ai envie de vous dire. Ça va fuck up un peu les stats, puisque bon, on pourra jamais faire mieux. Mais c'est comme ça. Premier tout simplement, le perfect record du monde atteint, mesdames et messieurs. Et donc forcément, pour notre âge, on sera aussi en première position, sûrement égalité avec plein de gens. On est que top 0,2%, on peut faire mieux. On peut faire mieux, hein. Et premier record du monde, est-ce le dernier? Je n'espère pas. Mais en tout cas, le niveau, hein, le niveau de jeu qui est là pour vous régaler. Kid Icarus, le 4 à la suite, souvenez-vous. On devait éliminer les 4 monstres. On avait fait un temps assez solide, 7 secondes 20. 37 000 participants. Et on est 939e! Oh, le top 3% sur un niveau qui n'est pas perfectible. Ça, c'est très, très clean, mesdames et messieurs. Quel temps de fou! Quel temps de fou, tout simplement. 939e, mais sur les personnes nées en 1993. 776 participants. 30e meilleur joueur de mon année. Top 4%. Voilà, 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 voilà. Là, on est en train de se positionner comme un énorme challenger cette semaine. De très gros temps qui nous attendent. Tourmachi, souvenez-vous, ce boss qu'on a bien atomisé. Hein. On a fait une belle run, on la voit derrière la run, d'ailleurs, on voit qu'on l'a atomisé du coup. 5 secondes, 33, 4, 37, 5 000 participants. Et on est 2024e, top 6%. Mais quelle semaine de fou furieux, mesdames et messieurs. 5 secondes, 83, avec le top 6%. Et pour la personne de la génération 1993, 734 participants et 59e. Mais quelle est cette semaine avec un top 9%? C'est notre temps le moins bon pour l'instant, hein. Est-ce qu'on va reculer encore sur ce niveau de Metroid où il faut récupérer le missile? 13 secondes 38. La run n'était pas folle, il me semble, celle-ci. Je crois que c'est un des temps qu'on a le moins taffé. On va regarder un petit peu, se comparer aux autres joueurs. 34 000 participants et on est 3713e tout de même. On va aller chercher top 11%. Quelle semaine de fou furieux! On a fait des temps qualitatifs. Hein. Je ne vous ai pas menti la semaine passée sur le nom de la VOD. Des gros temps, 90e sur la génération. Bien sûr, top 13%. Bravo à tous! Et il nous restait ce dernier niveau. Oui, par contre, là, un peu décevant. Un peu décevant, ce run. On avait eu du mal à se détacher. Regardez, 35 secondes 20. On a trouvé 36 000 participants. Et on est à 6000e. Forcément, on pouvait s'y attendre. Top 18%. C'est une grosse perf par rapport à DAP, pourtant. Mais oui, on s'est pris le poupe ici. Mais malgré ça, on est tout de même mieux que ce qu'on fait habituellement. On a quand même un top 21% sur ce niveau. Voilà, chaque niveau, on baisse en classement, mais... Grosse semaine qualitative. Et voilà, si on regarde les records du monde, moi ici, forcément on est égalité avec tout le monde, j'ai envie de dire. 6 secondes 55 ici qu'elle a trouvé, 4 secondes 85 pour celui-là. 13 secondes 03 et 34 secondes 06 pour ce record. Parcours bien trempé, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour un nouveau championnat, une nouvelle semaine. Une cinquième semaine et on part avec du Balloon Fight. Objectif étant d'éclater le ballon. Je pense que c'est un niveau qui se perfectionne. Je sais même pas si on peut faire mieux. Je sais même pas si on peut faire mieux. Ah non, on a fait une seconde 45 déjà. Et là, on est plus lent. Pourquoi? C'est bon, on a gagné notre temps. Mais est-ce que c'est possible de faire mieux que la 45? Posons les vraies questions. Est-ce que ce serait pas un nouveau record du monde, mesdames et messieurs, peut-être? Je fais 2-3 tries pour voir si on peut faire mieux qu'à 45, mais je crois que c'est vraiment pas possible. Hein. Regardez la manette, les inputs que je fais. Bah non, tu peux pas faire mieux.
J'ai l'impression que c'est vraiment le maximum qu'on a encore une fois atteint, mesdames et messieurs. Je pense qu'on fera pas mieux. Ah non, on peut pas faire mieux. On va estimer que c'est le max. On verra la semaine prochaine ensemble hein, si c'est le maximum. Mais une zone grand 5, je pense que c'est ce qu'on peut mieux faire. Encore une fois, un nouveau record du monde, peut-être encore. Un second record du monde en deux semaines. Peut-être, peut-être, mesdames et messieurs. Mario contre marteau. Encore un niveau normal, donc niveau court. Battez l'ennemi, récupérez le coffre. Donc ennemi à battre en détruisant ici et en récupérant le coffre à gauche. Tout simplement. Putain, il s'est mis de côté. What the fuck? C'est quoi la douille? Pourquoi il s'est mis de côté? Comment on fait pour anticiper le placement du truc? Secondes 25, toujours A. Hein. Cette seconde 0-1. Alors là, je vois pas. Je suis que en 1 plus. Il faut que je mette sous le bloc où il va apparaître. Je comprends pas où il apparaît. Secondes 53. On dirait qu'il spawn à l'opposé de moi le truc. Mais j'ai pas le S là. Je comprends pas l'apparition. Secondes 36. On est en S. On est en rang S, mais j'ai l'impression qu'on peut faire mieux. J'ai l'impression qu'on peut aller chercher mieux sur ce niveau. En fait, il faut essayer d'anticiper le placement d'où il va être le truc. C'est le bloc 3 en partant de droite. Tout à fait. Auto. Et je comprends pas où il apparaît. 3 secondes 31. Là, on a chopé bien l'apparition. On va essayer par-dessus à nouveau. Non, c'est plus lent. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux, j'ai l'impression. Auto. Je comprends pas où il apparaît. C'est le bloc 5 qu'il faut taper. 3 secondes 4. Je pense pas qu'on en fera beaucoup mieux. Je... À part si quelqu'un parmi vous a fait un meilleur temps, dans le chat on essaiera de faire mieux, mais là je vois pas. Je vois pas comment aller chercher mieux que ça. Dans le feu de l'action, alors là je connais pas. Passer par la porte. On change de pouvoir. On tabasse. Ok. On saute, on traverse le niveau. On appuie sur B pour activer le pouvoir, je crois. C'est vraiment une ligne droite. Hein. C'est vraiment une ligne droite. Ah, je me souviens pas de tout le gameplay. Hein. Oh, ça va pas être évident. Comment on fait le coup de pied au sol déjà? C'est bas plus A. Ouais. Il n'est pas évident ce niveau. Je sais pas pourquoi il perd tout ce temps. Hein.
20 secondes, 0.01, je suis pas en S. Est-ce qu'il fallait pas sub 20? Et déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. C'est pas facile, Kirby. Ouais, c'est ça, c'était 20 secondes. 19,75, le rang S atteint, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut faire mieux, peut-être? On va essayer encore une ou deux runs, mais on a fait le rang S. L'objectif, c'est toujours de faire le rang S. On fait les rangs S, on est content. On est content. Dommage. Là, ça court direct, j'ai pas à refaire de double dash. Non, j'ai pas assez de jump. Il fallait jump plus haut. Non, là, c'est en fait, t'as pas besoin de sauter une fois que tu l'as eu le premier. Tu peux courir, normalement, ça passe le trou. Non, il a pas de dash. Ok, là tu jump, là tu dash, là tu jump, là tu dash, là tu cours, tu dash, tu dash, tu dash, 19-11, ouais. Faut mieux faire B qu'une glissade du coup. On peut sub 19 je pense, vas-y, on essaie de sub 19. Moyen d'en faire 3, vous pensez? Ok, on jump, on dash. On jump, on dash. On dash. On dash. On dash. Je crois qu'il y a moyen de faire 3 dash au niveau des pics aussi. J'essaie de calculer ou me faire plus de dash en fait pour gagner du temps. Ah, drôle de rebond ça. Heureusement que ça court direct quand je relâche. Ah merde, y'a pas de jump. Allez, moi j'y crois au sub bonus 19. J'y crois complet au sub 19. Mais non. On perd pouvoir instant, hein. Il a pas couru. Faut juste y croire. Non, j'ai oublié de jump. Il y a trop à faire de saut. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'avais été dans la plateforme. Merde. J'ai cru que j'étais bien, mais non. Ah, c'est dommage ça. J'ai osé faire trop tôt quoi. Donc 1, 2, 3. Non là je peux pas le faire le dash en fait, c'est trop risqué. Dommage. Un peu tard. Là, j'ai un petit dixième, je pense. Ah, mais il a pas de petit skin de Kirby à l'époque. On a gagné un centième. C'est pas mal, 19.1. Allez, on va s'arrêter là. On va passer au prochain niveau, mesdames et messieurs. La course à pic sur Mario Bros 2. Atteignez le sommet de la montagne. Donc c'est vraiment un platformer qu'on va faire. Le sommet c'est ici. Ok.
On est vraiment sur le sommet de la montagne, pas plus quoi. Je glisse beaucoup avec Mario. Je vais juste faire un temps de référence. Pas compté. T'as bugué là, non? C'est 7.31 mon record personnel? Ok. J'ai fait pour la donne tout à l'heure en touché. C'est vrai qu'il y a un setup où il l'active ou je sais pas dessus. Plus de 13. C'est pas foufou hein. Il faut réussir à monter dessus direct en fait. Il est chiant. Hein. Bon, en fait, tu l'esquives. 6,80 Laurent S, mesdames et messieurs. On peut faire mieux. Elle est bizarre ce niveau, il bug un peu. On sait qu'on peut faire mieux que 6-8. Il glisse hein. J'ai envie de crever. Et il va si vite. C'est trop dur à doser avec ce Mario. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ah non, come on. Et il est horrible. Vous avez vu comment il va loin? Je suis à peine un petit coin. J'ai lâché le bouton B pour voir, mais c'est pas une bonne idée. J'ai envie de canner. Après on a fait le rang S hein. Techniquement on a besoin de faire plus. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas fou comme temps, quoi. Oh. Je pense qu'il y a moyen de passer par le nuage à droite. Bon, allez, on va s'arrêter à ce K8. J'ai du mal à ce niveau, je sais pas pourquoi. Il me prend la tête et on a surtout un niveau trop dur à travailler après parce qu'on a un niveau maître de Link 2. Zelda que je maîtrise le moins, encore une fois, même si on a fait un très bon temps la semaine passée sur le boss. On va voir comment se passe le boss ici. Faut viser la tête. Ok. Il recule. Ok. Bon, on va reviser la tête apparemment. Ok. C'est 5 hits apparemment. Oh, et j'ai fait bugger l'explosion, vous avez vu le tap à gauche? Ah, c'est l'écran de la NES. Incroyable. À l'époque de la NES qui est à droite et à gauche en même temps en fait, c'était un... J'ai mis 5 coups là. Pas le taper en screen.
Ah, il me saoule. Pourquoi il recule comme ça? On peut pas faire les lasers, j'ai l'impression que ça marche pas. Il est horrible, hein. C'est 10.8. Mieux, mais on est toujours... Oh, regarde encore une fois l'explosion qui bug sur la... Ça me fait trop rire, ça. Ça, c'est le petit truc de la NES. En fait, dites-vous, ce qui est à droite de l'écran est aussi à gauche sur la NES. C'est vraiment un screen qui est une boucle. Et ça marche avec tous les jeux NES. C'est pour ça que Boujou, vous allez téléporter de gauche à droite les personnages. Ou de haut en bas. Comme Metroid ou Zelda 1, typiquement dans la speedrun. Parce que vraiment, tu peux jouer avec ça. Et on voit l'explosion qui continue à gauche, ça me fait beaucoup rire. Allez, let's go. Compliqué. La di di da di. Ok. Donc là, c'est top. 3 PV. 2 PV. 13.3, let's go, le progrès, c'est trouvé. Et on va le chercher, et encore une fois l'explosion qui déborde sur la gauche, on l'en refait un. Ah, j'avais un 11 je pense. Ou un petit 12. Vraiment perfect le... Les shots. Je pense 12 c'est ça, voire 11. Même S, ça c'est marrant. Ah, il a tourné à gauche, j'ai des à-coups. Je sais pas si c'est le rollback de la manette logistique, mais... Je joue au stick, hein, pour info. C'est trop long. Ouais, je m'en ref. Il est trop horrible. Donc c'est full RNG en fait, ça speed. Ah bah c'est derrière. C'est la strata. Et comment faire passer derrière sans se prendre de dégâts? Compliqué. Enfin, on peut faire 12, hein. Je lâche pas tant que j'ai pas 12. Ah, c'est vrai qu'on a encore les tournois à faire. Hein. Je suis passé du côté. Non. La détention. Il est chiant, reculé. Il est trop chiant, reculé.
pas comment faire pour qu'il recule moins. Et là, je prends... Je gagne du temps. On va faire 11. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, je vise le 11. Faut que je prenne des coups pour reculer, c'est ça? Donne-moi un coup, fais-moi reculer! Faut que tu mettes des coups vers l'avant, bref. Je comprends rien, boss. Je comprends rien. Ah, je double mon rythme. En fait, il y a moyen de faire un truc comme ça, mais... C'est trop dur. Il n'y a pas de donner dans le jeu, comme dans Smash. Un damage boost, je pense. Et après, faut taper vers la gauche. Et t'es trop relou, toi. J'ai envie d'arrêter. Faut que j'ai qu'à faire le tournoi après. Ouais, ça va, on est passé longtemps qu'on est dessus non plus, mais. Mais bon. Il me fait des coups. Mais c'est un peu random quand il tape, en fait. Du coup, ça le rend un peu RNG, tu vois. Là, tu le tapes une fois, ok, c'est gratos. Il prend pas le coup, là. Il juste saut taper. Je pense qu'on est bien. On est pas mal sur ces temps-là, mesdames et messieurs. Voilà, vous me direz en commentaire YouTube quels sont vos temps un petit peu sur ces missions. Nous, on va partir en mode tournoi. Puisqu'il y a le tournoi de survie, bien sûr, à réaliser. Avec la division argent qui sera contre des débutants. Donc, normalement, ça se first try bien. Et la division après or qui sera un peu plus compliquée. Même si la semaine passée, on l'a réussi très facilement. Donc, à voir. A voir ce que ça propose ce coup-ci. Course à pique, on n'a pas aimé ce niveau. Alors, le problème de le faire, après, c'est si je perds mon temps, quoi. Ah, c'est pas cool. Il faut juste dépasser la plateforme en plus, quoi. Donc il n'y a pas besoin de faire tant d'efforts que ça. Mario contre Marteau. Cinquième bloc, je m'en rappelle. Ah merde. Et final, j'espère qu'on va le first try. Ce niveau-là, on le connaît maintenant, on l'a bien travaillé. Est-ce qu'on veut first try? Une année sur la division argent. La finale, c'est maintenant. Ah super. Prêt. Je suis pas en avance. Hein. Ah merde. Je connais pas le chemin en haut. Je vais perdre. Hein. J'ai perdu. J'ai perdu en division argent. J'ai troll. Hein. La run était full troll. Horrible. On n'est pas concentré, mesdames et messieurs. Y'a mec, c'est Star Wars son jeu préféré, c'est incroyable. Allez. Si on se concentre pas sur l'argent, j'imagine pas le résultat en. 3:46, c'est pas mal. On avance. Allez, on se merde pas sur Kirby ce coup-ci.
Après, il y aura la montée en finale. Attention. Allez. Ouais, ça va aller. Non, si la run est ok de chier, ça passe. Hein. Bon, là, on s'en fout. On est même premier largement. Allez, et puis que pas de Pouelli, je préfère un Mega Man 4. Bien entendu. Allez, let's go. On en finit. Division Argent, c'est gagné, mesdames et messieurs. Full première place, je préfère ça, hein, c'est plus respectable. On a quasiment les mêmes niveaux sur cette division Gold. Une première fois sur des jeunesses. Force à toi. Mais t'as quand même un jeu favori. Et ça, c'est beau. Allez, course à pique. Directement, premier manche de division Gold. Là, ça va être moins évident. Les gens, ils savent jouer en face. Ils sont déter, on va dire. Deuxième. Ça va. Ça va, ça va. Et moi, tape, ça va. Oh, le cheval de bataille, je suis pas confiant. Oh, le cheval de bataille, je suis pas confiant. La, la, la. Ok, ça va. 13-36. Ils sont loin, les autres, là. Je vais qui finit en premier, là. 19 secondes 4. Oh là là. La marge qu'on avait. En même temps, on a travaillé les temps. Voilà, par contre, c'est un Kirby perfect qu'il faut faire. Contre Dégulus. Il s'est planté. Bon, il s'est planté, il s'est planté. Ça devrait être gagné. Je fais pas ça. Let's go! C'est remporté, mesdames et messieurs! Incroyable, la victoire en or très simple. On va trouver. Et un 5 victoires en 5 semaines. Bravo à tous, YouTube! J'espère que t'as aimé cette VOD. On a fait vite. On a fait vite aujourd'hui. Alors, c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais remontrer un petit peu nos temps rapidement, mais on les voyait à l'écran d'avant. Voilà. T'as fait combien cette semaine, toi, mon cher YouTube? Dis-moi en commentaire un petit peu tes temps. Et puis voilà, je te dis à la semaine prochaine pour d'autres records du monde peut-être. Hein. On attend, hein, son ballon de fight, de voir si on a atteint le record du monde ou pas. J'ai hâte. Hein. Des bisous, YouTube. À la prochaine.